الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la Vierge, la pieuse, la pure, l'adoratrice. Nous avons rendez-vous avec la femme qu'Allah tabaraka ta'ala a élue parmi toutes les femmes de l'univers pour lui confier ce grand secret. Ce secret qu'Allah azza wa jal a placé dans le plus pur des utérus et la plus miraculeuse des naissances de tous les temps. Vous savez de qui il s'agit ? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une femme exceptionnelle. Une femme qui a été élue par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons rendez-vous avec la mère du premier prophète qui a été affilié à sa mère. Nous avons rendez-vous avec la seule femme depuis Hawa, notre mère Hawa, Ève, jusqu'au jour dernier qu'Allah azza wa jal a cité dans le Coran 35 fois. Le nom de cette femme a été cité 35 fois dans le Coran. Et ce n'est pas tout. Elle est la seule femme qui porte le nom d'une sourate du Coran. Vous l'avez reconnue ? Il y a une sourate qui porte aussi le nom de sa famille, la famille de Imran. Il s'agit de la citadelle de la dignité, d'une immense source de pureté et de douceur. Il s'agit de Maryam bint Imran alayhi salam. À présent, mes frères et sœurs, je vous demande toute votre attention, car nous allons voir ensemble à quel point le Coran a honoré Maryam, alayhi salam, tout comme notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'a honoré. Volontairement, je commence cette conférence par ce hadith, où notre prophète, alayhi salatu wassalam, fait l'éloge de cette femme extraordinaire, Maryam, alayhi salam. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que Maryam bint Imran. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il commence par elle. Écoute bien. Il y a eu beaucoup de modèles parmi les hommes. Il y en avait plein des hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, commence par dire Maryam bint Imran. Asya, la femme de Pharaon. Et Inch'Allah, on lui réserve une conférence très bientôt. Khadija bint Khuwaylid et Aisha par rapport aux autres femmes, et comme le farid, c'était un plat composé de pain et de viande, et comme le farid sur tous les autres plats rapportés par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam commence cette liste de femmes modèles par Maryam alayhi salam. Il s'agit d'un modèle exemplaire, l'une des femmes les plus complètes de tous les temps. Et Ali radiallahu anhu, quatrième calife de l'islam que vous connaissez, il rapporte: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, la meilleure femme de son époque, écoute bien, la meilleure femme de son époque est Maryam, la fille de Imran. Et la meilleure des femmes de son époque est Khadija bint Khuwaylid. Je répète, la meilleure des femmes de son époque est Maryam, la fille de Imran. Et la meilleure des femmes de son époque est Khadija bint Khuwaylid, rapportée par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte: le prophète alayhi salatu wassalam a tracé 4 traits sur le sol. 4 traits sur le sol. Et il alayhi salatu wassalam a dit, savez-vous ce que c'est? Ils dirent, Allah et son messager sont plus savants. Il dit alayhi salatu wassalam, les meilleures femmes du paradis sont, et il a dit, 1. Khadija bint Khuwaylid. Donc dans cette version, il a commencé par elle. Fatima bint Muhammad. Fatima, la fille de Muhammad alayhi salatu wassalam. Maryam. Maryam bint Imran. Il dit les meilleures femmes du paradis sont. Il a cité Khadija, Fatima, sa fille, Maryam bint Imran et Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon, rapportée par Ahmed et Ibn Hajar, l'a authentifié dans Fath al-Bari. Donc on voit ici que Maryam alayhi salam entrera au paradis conformément au témoignage de notre prophète alayhi salatu wassalam, le véridique, le digne de confiance, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. À présent, écoutez ce témoignage privilégié que fait le prophète alayhi salatu wassalam à l'égard de Maryam alayhi salam ainsi que son fils qui est Isa alayhi salam. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent à ce propos un hadith d'Abu Huraira
radiallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wasalam dit: aucun bébé ne naît sans qu'il ne soit touché par Satan au moment de sa naissance et il sort en criant, excepté Maryam et son fils Isa. Abu Huraira radiallahu anhu ajouta: lisez si vous le voulez le verset suivant, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. Mes frères et sœurs, qui est donc cette femme Maryam bint Imran qui a atteint une place aussi privilégiée auprès de son Seigneur mais aussi auprès du prophète alayhi salatu wasalam ainsi qu'auprès de tous les croyants? En effet, Maryam alayhi salam occupe une place dans le cœur de tout croyant. Qui est donc cette femme Maryam alayhi salam? Qui est Maryam bint Imran? Eh bien, sachez mes frères et sœurs que la réponse se trouve tout simplement dans le Coran, dans le Coran. Écoutez avec moi ces versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Imran, surat 3, versets 33 et 34. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Certes, Allah a élu Adam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: certes, Allah a élu Adam. Il l'a élu. C'est le premier être humain qu'Allah tabaraka ta'ala a créé. Il a fait que les anges se sont prosternés pour lui. Il l'a fait habiter au paradis. Il lui a pardonné son péché. Certes, Allah a élu Adam. Nuh aussi a été élu. Il est le premier messager. Il a vécu 950 ans à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah a élu Adam. Nuh, la famille d'Ibrahim. Ibrahim alayhi salatu wa salam est la famille de Imran. Au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la famille de Imran fait partie de la descendance de Sulayman, le fils de Daoud, alayhi salam, qui étaient tous les deux des prophètes. Imran est le père de Maryam. Imran est le père de Maryam. Il était un grand savant parmi les Banu Israël, les enfants d'Israël. Imran épousa une femme pieuse appelée Hinna bint Faqud, à qui Allah Azzawajal n'avait pas accordé d'enfant. Vous me suivez? Et un jour, Hinna, en voyant un oiseau nourrir son petit, elle désira ardemment avoir un enfant. Et elle demanda à Allah Azzawajal de le lui accorder. Et en effet, Allah Azzawajal exauça sa demande. Quelque temps plus tard, elle apprit qu'elle était enceinte. Et elle comprit qu'Allah Azzawajal avait exaucé sa demande. Afin de remercier Allah pour ce grand bienfait, elle voua à Allah de faire que cet enfant soit au service de la mosquée de Bayt al-Maqdis. Allah tabaraka ta'ala nous dit à ce sujet dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 35. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit: Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. On voit donc que l'épouse de Imran était une femme pieuse, une femme reconnaissante envers son Seigneur. Mais la surprise à laquelle elle ne s'attendait pas, c'est que lorsque ce nouveau-né qu'elle attendait vint au monde, elle se rendit compte que c'était une fille. Elle se rendit compte que c'était une fille. Alors qu'à l'époque, ceux qui étaient au service de Bayt al-Maqdis n'étaient que des hommes. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Imran, sourate 3, verset 36. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit: Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux
ce dont elle avait accouché. Vous êtes d'accord avec moi qu'Allah tabaraka ta'ala a la connaissance de toutes choses, n'est-ce pas? Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, « وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى » Le garçon n'est pas comme la fille. Ça veut dire quoi ici? Le garçon n'est pas comme la fille dans le tafsir, dans l'explication de ce verset. Et c'est très important de toujours revoir l'explication des versets. Ça, c'est très important. Ceux d'aujourd'hui qui cherchent à montrer ou à prouver que dans le Coran, il y a des erreurs, c'est simplement qu'ils ne comprennent pas les versets. Ils ne savent pas qu'est-ce qui a été dit sur l'explication des versets. Ils les prennent au sens apparent. Ils les prennent au sens apparent alors qu'il y a derrière quoi? Une explication. Un tafsir. Et ça, j'en ai l'expérience avec pas mal de gens qui venaient, regarde, le verset, il contredit celui-là. La seule contradiction qui existe, elle est dans notre cervelle. Elle n'est pas dans le Coran. Le Coran, il est inattaquable. Le garçon n'est pas comme la fille. Dans le tafsir, il est dit, dans le fait de servir Bayt al-Maqdis. C'est Ibn Kathir rahmallah qui le rapporte. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un, un homme, pour yani, les tâches qui sont difficiles et lourdes. Ensuite, elle dit, je l'ai nommée Maryam. Et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable banni. Dans la langue de l'époque, le prénom Maryam signifiait l'adoratrice. Et lorsque Maryam alayhi salam grandit, sa mère l'emmena vers Bayt al-Maqdis afin de la confier aux adorateurs de Bayt al-Maqdis. Et ils s'occupaient tous d'elle puisqu'elle était la fille de leur savant, Imran. Tout le monde voulait la prendre en charge, il voulait cet honneur. Et là, ils furent en désaccord. Lui, il la veut, l'autre, il la veut, et sans désaccord. Comment on fait maintenant? L'un d'eux proposa alors de tirer au sort celui qui s'occuperait d'elle. Et comment tirer au sort? Alors, cet homme-là leur dit, on jette tous nos plumes dans le fleuve du Jourdain, Nahrul Urdun. Et le propriétaire de la plume qui se dirigera contre le sens du courant sera celui qui prendra en charge Maryam. Et c'est ce qu'ils firent. Ils jetèrent tous leurs plumes qui furent toutes emportées par le courant, sauf une seule plume qui remontait le courant, c'était la plume du prophète Zakariya alayhi salam. C'était la plume du prophète Zakariya alayhi salam, et en effet, c'est Zakariya alayhi salam qui l'a pris en charge. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 37, فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. La fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zakariya. C'est cité dans le Coran. Allah azzajal nous informe qu'il fit croître Maryam en belle croissance après l'avoir agréé et confié à Zakariya. Dans cette maison pure, pieuse, cet environnement embelli par les adorations, la prière, l'évocation d'Allah et son invocation. C'est ici qu'elle a grandi, Maryam alayhi salam. Et c'est très important pour qu'une personne grandit dans la piété, qu'elle se retrouve dans un environnement de piété. Nous aujourd'hui on veut que nos enfants soient pieux, mais est-ce qu'on leur a préparé le terrain pour qu'ils soient pieux? Est-ce qu'ils voient une maman qui prie, qui est pudique, qui est attaché au Coran, un père qui gagne son argent dans le halal, qui respecte son épouse, qui respecte ses enfants, qui passe du temps à leur enseigner la religion, etc. Donc elle a grandi dans cet environnement. C'est là que grandit la pure, la pieuse, Maryam alayhi salam. Et celui qui convenait le mieux à prendre en charge Maryam alayhi salam, à cette époque, était bel et bien le prophète Zakariya alayhi salam. Puisqu'il était le prophète de l'époque. En plus de ça, il était l'époux de sa tante maternelle, ou l'époux de sa sœur, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari Muslim, dans le long hadith d'Al-Isra, du voyage nocturne. Et lorsque Zakariya allait la voir, il allait voir Maryam, il trouvait auprès d'elle des choses incroyables, des miracles. Il trouvait auprès d'elle de la nourriture qu'il ne lui avait pas apportée. Mais qui donc le lui apportait, si ce n'est pas Zakariya? Maryam répondait, cela me vient d'Allah. Allah Azzawajal nous en parle. Dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 37, Allah tabaraka ta'ala nous dit, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle, dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il dit, « Ô Maryam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. » Cela me vient d'Allah. Allah accorde la subsistance à qui il veut sans compter. Je sais que vous avez déjà entendu ces versets. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui les connaissent même par cœur. Mais peu d'entre nous les méditent malheureusement. Peu d'entre nous méditent que celui qui accorde à qui il veut est Allah Azza wa Jal. Sache donc mon frère que seul Allah est maître de ta subsistance. Allah Tabaraka Ta'ala dit dans Surat Hud, Surat 11 verset 6... وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Il n'y a pas un animal sur terre qui existe sans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui le nourrisse. Imagine-toi subhanallah les fourmis. Imagine-toi les poissons et combien ils sont nombreux. Imagine-toi ceux qui sont cachés, ceux qui vivent dans des trous, ceux qui vivent dans des grottes, ceux qui vivent la nuit. Tout cela, Allah tabaraka ta'ala, c'est lui qui leur accorde azza wa jal leur subsistance. Donc si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la subsistance à tout le monde, que c'est lui le riche, que la clé du rizq elle est entre ses mains, place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui, tu ne seras jamais, jamais oublié, jamais. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Attache donc ton cœur à Allah tabaraka ta'ala, comme l'a fait Maryam alayhi salam. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Surat al-Dhariyat, Surat 51 verset 22. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ. Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Et médite avec moi sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il y a dans le ciel votre subsistance. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la subsistance se trouve dans le ciel. Alors que les usines sont sur terre. Les sociétés sont sur terre. L'argent est sur terre. N'est-ce pas? Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise ici, il y a dans le ciel votre subsistance? En fait, tout ce qui est sur terre n'est que la cause. Et celui qui met l'effet dans la cause et celui qui se trouve dans les cieux est Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les causes. Fais les causes tout en étant conscient que c'est Allah azza wa jal qui t'accordera de sa subsistance au moment où il aura décidé azza wa jal. Et justement, on verra tout à l'heure comment Allah azza wa jal va demander à Maryam alayhi salam de faire les causes pour obtenir sa subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, surat 3 verset 37, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il s'agit de Zacharie. Il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Oh Maryam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah, il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. » Et on dirait que ces paroles sont une introduction de ce qui va venir par la suite, puisque comme vous le savez, Allah Azza wa Jal va accorder à Maryam une autre subsistance, un autre rizq, une autre subsistance bien plus grande, sans qu'elle n'en ait fait les causes, sans devoir avoir recours aux lois mondaines. C'est quoi cette chose? Avant de mettre au monde son enfant béni, Isa alayhi salam, on voit qu'elle est pleinement convaincue que c'est Allah Azza wa Jal qui accorde ce qu'il veut, à qui il veut, sans compter. Puis Allah tabaraka ta'ala envoya à Maryam ses anges, porteurs de la bonne nouvelle. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Ali Imran, Surat 3 verset 42, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Maryam, certes Allah t'a élu. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élu et purifié et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Allah azza wa jal a élu Maryam.
cette femme pure parmi toutes les femmes de tous les temps, afin de lui accorder ce miracle, qui est de mettre au monde un enfant sans père. Allah Azza wa Jal a particulièrement choisi Maryam pour exposer aux gens ce miracle exprimant sa capacité sans limite. Et celui qui cherche par sa raison à atteindre la capacité d'Allah est semblable à une fourmi qui cherche à déplacer une montagne. Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de cet univers, des animaux, des humains, des mers, des montagnes, des poissons. Méditez sur la création d'Allah et ne soyez pas insouciants. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il veut une chose, il dit à la chose soit et elle le devient. Donc je reviens à dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait que Maryam va mettre au monde un enfant sans qu'il n'ait de père. Une femme seule qui va mettre au monde un enfant sans avoir recours aux lois mondaines. Puisqu'en temps normal, c'est l'accouplement d'un homme et une femme qui donne naissance à un enfant. Mais Allah Azza wa Jal est capable de tout. N'oubliez pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé Adam sans père ni mère. Et il a créé Hawa d'un père sans mère. Et c'est là qu'il va créer Azza wa Jal, Isa alayhi salam, d'une mère sans père. Quant à tous les autres êtres humains, Allah Azza wa Jal les a créés d'un père et d'une mère. Tout ça pour te montrer qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable de toute chose. Et lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala décide de créer quelqu'un, il le crée de la manière qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. À présent, mes frères et sœurs, écoutez avec moi le récit de cet enfantement qui est dans Sourate Maryam, dans 20 versets qui font frissonner les cœurs vivants. Wallahi al-azim, 20 versets qui sont sublimes et magnifiques. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Maryam, dans la sourate 19, du verset 16 au verset numéro 36, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله تبارك وتعالى a dit au prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est le verset 16 de Sourate Maryam, et on a dit qu'on allait voir du verset 16 au verset 36, 20 versets. 20 versets qui nous parlent de comment est-ce qu'elle a eu cet enfant et ce qui s'est produit après cela. Allah tabaraka ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam dans le verset 16, mentionne dans le livre, le Coran, Maryam, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Pour adorer Allah. Puis d'un coup, quand elle s'est retirée, elle s'est isolée pour adorer Allah, d'un coup elle fut surprise de l'apparition d'un homme qui vint à elle, alors qu'elle s'était isolée pour adorer Allah. Dans le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle mit entre elle et eux un voile. Elle s'isola yani des gens. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui est l'ange. Gabriel, Jibril alayhi salam, nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous forme d'un humain parfait. Et cette femme pieuse, vertueuse, qui a été éduquée dans une famille pieuse, n'a jamais connu le fait d'être isolée avec un homme. Elle n'a pas connu ce qu'est une fréquentation illicite. Donc elle a été choquée de voir un homme dans l'endroit où elle était, isolée pour adorer Allah. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Dans le verset 18, elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Allahu Akbar. Le pieux est celui qui met entre lui et la colère d'Allah un mur. Aujourd'hui, malheureusement, certains se donnent une image de piété juste par l'apparence. Ils se disent « Moi, alhamdoulilah, j'ai soigné l'apparence, je suis pieux. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'apparence, je l'ai dit dans plusieurs conférences et je l'ai répété, c'est la chose la plus facile à avoir. L'homme, il touche plus au rasoir, il achète un kamis à couronne à 30 euros, c'est réglé sans un frère de l'extérieur. La sœur, elle diminue choya ou elle supprime maquillage, elle met le hijab, c'est bouclé. Elle a soigné l'apparence. Mais le problème, c'est quoi les frères, ainsi que vous mes sœurs? C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une époque où on a trop misé sur l'apparence et on a oublié le cœur. Le cœur, on l'a laissé pourri, noyé dans les péchés. Noyé. Et après, on se dit, mais pourquoi je me sens mal? Pourquoi j'arrive pas à trouver la quiétude à Sakine? La raison, c'est parce que là-dedans, il y a un grand travail à faire qui n'a pas été fait. Donc, Maryam, alayhi salam, elle lui dit, si tu es pieux, ne m'approche point. Un pieux n'approche pas le péché. Un pieux n'a pas de relation illicite avec le sexe opposé. Une pieuse, pareil. Un pieux est quelqu'un qui va se préserver du haram, de tout type de haram, des propos, des paroles, du regard, de toucher le haram avec sa main, de travailler dans le haram. Ça, c'est le pieux. Le pieux, il va se mettre à l'abri de tout ça. Donc elle lui a dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche pas. Subhanallah. On voit sa piété. Une pieuse qui a peur de la fornication. Elle le rappelle à l'ordre. Mes sœurs, apprenez d'elle. Apprenez d'elle. Apprenez d'elle la pudeur. Apprenez d'elle le fait de vous éloigner de toutes ces relations illicites. Une pieuse qui a peur. Si tu es pieux, ne m'approche pas. Et dans le verset 19, Jibril va la rassurer. Il va la rassurer. Il va lui dire, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. J'ai été envoyé par Allah pour te dire que tu vas avoir un enfant. N'aie pas peur. Le fait qu'elle ait parlé à Jibril ne fait pas d'elle une prophétesse. Parce que certains vont dire, ah, elle a reçu Jibril, donc elle aussi c'est une prophète, elle a reçu la révélation. Non. Il n'y a jamais eu
de prophète femme. Ça, c'est un point important dans l'aqida. D'accord ? Il n'y a jamais eu de prophète femme. Elle a reçu donc Jibril alayhi salam, qui est venu sous forme humaine et qui lui a fait cette annonce. Il lui a dit quoi ? Il lui a dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un modèle pour nos femmes, ça. Aucun homme ne m'a touché. Aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée. Verset 21, et là Mariam reçoit la réponse. Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, c'est terminé. Et comme vous le savez, tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que, en temps normal, le feu, il quoi ? Il brûle, n'est-ce pas ? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le feu ne brûle pas, ça s'est produit ou pas ? Oui, quand ? À l'époque du prophète Ibrahim alayhi salatu wasalam, n'est-ce pas ? De même, le couteau, on sait qu'un couteau placé sous une gorge, il coupe, n'est-ce pas ? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le couteau ne coupe pas, il n'a pas coupé. C'était à l'époque de Ismaïl alayhi salam. Donc tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Vous croyez que c'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'une femme ait un enfant sans qu'un homme l'ait touché ? Non. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce une bonne nouvelle. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. Allahu Akbar. Un signe pour les gens. Un signe qui prouve la puissance d'Allah et qui montrera aux gens la vérité. Et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Subhanallah. Avant la création des cieux et de la terre, Allah tabarak wa ta'ala avait déjà décidé de tout cela. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat al-Tahrim, Surat 66, versets 11 et 12, وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allah تبارك وتعالى nous dit dans ce verset, et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon qui s'appelait Asya. Quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. De même, Maryam, la fille de Imran qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Dans le verset 22 de Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Mes frères et sœurs, est-ce que Maryam alayhi salam a été enceinte de 9 mois comme toute autre femme normale, ou est-ce qu'elle a été enceinte et a accouché de Isa au même moment? L'avis de la majorité des savants, c'est le premier qu'elle a été enceinte normalement de 9 mois. Et la preuve est que les signes de la gestation commençait à apparaître en Maryam jour après jour. C'est alors qu'un adorateur pieux de Bayt al-Maqdis appelé Yusuf al-Najjar alla la voir et lui dit, oh Maryam, regarde comment il est intelligent, poli, et quel terme il va utiliser pour poser des questions à Maryam alayhi salam sur un sujet qui est délicat. Oh Maryam, je vais te poser une question sur une chose. Prends le temps de me répondre. Maryam lui dit, pose ta question, oh Yusuf. Et ne dit que la vérité. Youssef lui dit, oh Maryam, existe-t-il une plante sans qu'elle n'ait eu une graine? Regardez où est-ce qu'il veut arriver, intelligemment. Cet homme connaissait très bien Maryam et savait à quel point elle était pieuse et pure. Oh Maryam, existe-t-il une plante sans qu'elle n'ait eu une graine? Une plantation sans pluie? Un enfant sans père? Maryam lui répondit, oui, Youssef,
Il lui dit, et comment cela, ô Maryam? Maryam lui dit, ô Youssef, as-tu oublié qu'Allah Azzawajal a créé Adam sans père ni mère? Et as-tu oublié qu'Allah Tabarakatala, lorsqu'il a créé les arbres et les plantes, il les a créés sans graines? Youssef dit, je sais qu'Allah est capable de tout. On revient donc au verset. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Ça c'est le verset 23. Mes frères et sœurs, lorsque les douleurs de l'accouchement vinrent à Maryam, alayhi salam, alors qu'elle était une femme seule à supporter ses douleurs dans un désert sans père ni mère, sans médecin ni sage-femme, c'est alors qu'elle souhaita la mort. C'est alors qu'elle souhaita la mort. Elle dit, dans le verset 23, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Elle avait peur des dires des gens. Elle a souhaité la mort. Pour elle, la mort, c'est mieux que al-fadiha, le scandale, la catastrophe. Les gens, ils vont l'avoir avec un enfant, elle n'a pas de père pour cet enfant. Donc, elle a souhaité la mort. Et ici, une leçon. C'est que la personne a le droit de se souhaiter la mort, attention, j'ouvre les guillemets, si elle a peur d'être atteinte d'une fitna dans sa religion. D'une fitna dans sa religion. Par contre, si c'est pour une chose de ce bas monde, il n'est pas permis de le faire. La preuve, selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, aucun d'entre vous ne doit souhaiter la mort pour un mal dont il souffre. S'il doit absolument le faire, qu'il dise, Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li, وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيَرًا لِي. Seigneur, Allah, garde-moi en vie tant que la vie m'est préférable et fais-moi mourir si la mort m'est préférable, rapporté par Bukhari et Muslim. Claire? Maryam a donc dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Dans le verset 24. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle. Il est dit que celui qui l'a appelé c'est Jibril. Dans d'autres tafsirs, il est dit que c'est Isa, alayhi salam. Il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Donc il lui montre quoi ici? Qu'il faut faire les causes pour avoir la nourriture. Pour que les dattes tombent, il faut faire les causes. Mais en même temps, il y a un miracle. Une femme qui va secouer le tronc d'un palmier. Subhanallah. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Là, il y a beaucoup, beaucoup de leçons dans ce verset uniquement. Premièrement, ça se passe en automne. Les dattes fraîches, elles apparaissent en automne. Donc, Isa alayhi salam, il est plus né vers cette période et non le 25 décembre. Affaire classée pour le 25 décembre. Deuxièmement, secoue vers toi le tronc de palmier. C'est qu'on voit ici qu'elle doit faire les causes. C'est pas simplement elle place sa confiance en Allah et c'est tout, il n'y a rien. Non, elle fait les causes pour avoir son risque, sa subsistance. Et on voit aussi troisièmement que Jibril, ou Isa selon le tafsir, l'a raffermi. Elle l'informa que sa subsistance était présente. Il lui a demandé de secouer le tronc de palmier. Le tronc d'un palmier qu'un homme fort ne peut même pas secouer. Mais il a ici un enseignement pour nous, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, tu te dois de faire les causes, puis c'est Allah qui t'accordera ou non sa réussite. Et à travers ce passage, il y a un autre miracle, c'est que il n'y a pas de meilleure nourriture que les dattes pour une femme qui vient d'accoucher. Les dattes contiennent énormément de bienfaits. Et la femme qui vient d'accoucher, on lui recommande un maximum de manger des dattes. C'est très très bon pour elle. 26e verset de Sourate Maryam. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les hommes, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Et ici, le jeûne, c'est quoi? Al-imsak bima'na adamul kalam. C'est-à-dire qu'elle ne va pas parler, elle ne va pas adresser la parole à qui que ce soit. Et là, c'est Jibril alayhi salam ou Isa selon At-Tafasir qui lui dit, écoute bien, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc c'est un ordre divin. Elle ne doit pas répondre. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Imagine-toi, elle arrive avec le bébé. Ça c'est le verset 27. Ils dirent, ô Maryam, tu as fait une chose monstrueuse. T'imagines? Ils sont en train de se dire, Maryam, la pieuse, la vertueuse, elle vient avec un enfant.
et son père. Comment? Le 28e verset. Sœur de Haroun. Est-ce que c'était la sœur de Haroun? Parce que certains aussi, ils attaquent le Coran en disant « Sœur de Haroun, mais Haroun, c'était une autre époque. » Regarde, dans le Coran, il y a des erreurs. Encore une fois, il n'y a que des erreurs que dans vos cervelles. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Wallah, il n'y en a pas. C'est Kalam Allah Azza wa Jal. « Ô sœur de Haroun, bimana ya shabihat Haroun fil ibada. » C'est-à-dire « Ô toi qui ressemble à Haroun dans tes adorations. » Et ça, c'est dans Tafsir ibn Kathir. « Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » C'est des paroles qui sont fortes quand même. 29e verset, elle fit alors un signe vers lui, vers le bébé. Subhanallah. Elle n'a pas parlé. Pourquoi? Elle a reçu un ordre d'Allah de ne pas parler, n'est-ce pas? Elle n'a pas parlé et elle a fait un signe vers le bébé. Elle n'a pas parlé, elle a juste fait un signe. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Logiquement pour eux, c'est pas raisonnable. Pourquoi c'est un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère? Qu'est-ce qu'il va parler? Mais là, le miracle d'Allah. Le verset numéro 30, le bébé dit, Inni Abdullah, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Allahu Akbar. Isa alayhi salam qui parle alors qu'il est bébé. Allahu Akbar. Et là, on voit la puissance d'Allah Azza wa Jal et comment elle a été raffermie par ce miracle immense. Inni Abdullah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il n'a pas dit je suis Allah ou je suis le fils d'Allah. Il a dit Inni Abdullah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Isa alayhi salam proclame haut et fort qu'il est le serviteur d'Allah. Et il n'en a jamais eu honte. Bien au contraire, c'est la première parole qu'il a prononcée. Inni Abdullah atani al-kitab. Écoute bien, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Et il a fait de moi un prophète. Subhanallah, t'imagines la scène, les gens ils sont en train de voir un bébé qui dit tout ça? Il a fait de moi un prophète. Verset 31, où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Allahu Akbar, c'est un bébé qui dit ça. Verset 32, et la bonté envers ma mère, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Verset 33, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Pause, avant de passer aux versets qui vont suivre. Là, normalement, il y a quelque chose qui doit vous interpeller. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. D'accord? Le jour où je mourrai. Il a été élevé au ciel ou il est mort? Ou il a été élevé au ciel mort? Isa alayhi salam, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas mort? Vous êtes d'accord ou pas les musulmans? On sait jamais dans la salle, tu vois. J'entends un nom, je ne sais pas d'où il vient. Eh les musulmans, c'est ça notre croyance. Isa alayhi salam, il n'est pas mort. Il a été élevé au ciel. Et il redescendra sur terre, et ça fait partie des signes de la fin des temps, et il va tuer Al-Messih Dajjal, etc. Et ça, on va le voir juste après, Inch'Allah. Taïb, ici, il y a quelque chose là. Il y a certains non-musulmans, ils nous attaquent avec ça. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Votre réponse? On est d'accord qu'il a été élevé au ciel. Ça, c'est dans le Coran et on va le voir. Et il va revenir à la fin des temps. Mais à la fin des temps, il va mourir. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est clair? Là, en fait, on est en train de construire et détruire en même temps. Parce que beaucoup de choses sont dites sur Maryam et Isa alayhi salam, mais peu d'informations sont vérifiées. Nous, en tout cas, dans le Coran, tout est clair. Donc, dans le verset 33, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, donc c'est à la fin des temps comme toutes les créatures, et le jour où je serai ressuscité vivant. Verset 34, tel est Isa, fils de Maryam, parole de vérité dont il doute. Verset 35, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Verset 36, et c'est le dernier. « Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. » Je vous ai dit, c'est des versets qui sont sublimes et magnifiques. Mes frères et sœurs, Isa alayhi salam n'est pas le fils d'Allah. Allah, tabaraka ta'ala, n'a pas eu d'enfant. Allah azza wa jal a dit dans Surat Maryam, Surat 19, versets 88 à 95,
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Ça c'est écrit dans le Coran, dans Surat Maryam, Surat 19, versets 88 à 95. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception, en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien compté, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Et écoutez ce magnifique dialogue entre Allah Azzawajal et Isa, qui aura lieu le jour du jugement, comme l'a dit Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Il y aura un dialogue entre qui? Entre Allah subhanahu wa ta'ala et Isa. Quand le jour du jugement? Il est cité dans le Coran, ou dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, versets 116 à 118. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى دي rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Isa, ô Jésus, fils de Marie, ô Isa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Subhanallah, c'est écrit dans le Coran. C'est un dialogue qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura avec Isa alayhi salam. Ô Isa, fils de Mariam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà ce qu'a dit Isa alayhi salam. Il leur a dit, adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Et c'est pour la première fois qu'un prophète, parmi les doués de fermeté, Ulul Azm min al-Rusul, est affilié à sa mère. Il s'agit de Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Tout au long de sa vie, Isa alayhi salam était un serviteur d'Allah. Il était un serviteur d'Allah.
Il appelait les gens à l'adoration d'Allah sans rien lui associer. Il appelait à l'islam. À l'islam. Mais l'islam, c'est notre religion. C'est la religion de tous les prophètes. Mais, j'ai pas compris. L'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah, n'est-ce pas? Les autres prophètes, ils étaient soumis à Allah ou pas? Donc ils étaient musulmans. Ils ont appelé à ça ou pas? Donc ils ont appelé à l'islam. C'est bon? Il a appelé à l'islam tout comme l'ont fait tous les autres prophètes. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 19, « Inna dina indallah al-islam ». Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Isa alayhi salam a vécu musulman. Il était soumis à Allah. Il était un humble adorateur d'Allah. Selon Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, médite bien sur ce hadith, celui qui a attesté qu'il n'est de Dieu que Dieu, unique et sans aucun associé. Ça c'est un. Que Muhammad alayhi salatu wasalam est son humble adorateur et son messager. Que Jésus, Isa, est l'humble adorateur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a jetée à Mariam et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Allah l'introduira au paradis quelle que soit son œuvre rapportée par Bukhari Muslim. Le hadith, il est clair. Il montre bien que Isa est l'humble adorateur d'Allah. Et Busr ibn Jahash al-Qurashi, radiyallahu anhu, ce hadith, uqsim lakum billah, il est magnifique. Et voilà, il n'y a pas plus beau que de se nourrir par ses paroles. Les paroles d'Allah et celles du prophète alayhi salatu wasalam. C'est avec ça qu'on recharge la batterie. C'est avec ça. Regardez avec moi ce hadith, comment il est magnifique. Le prophète alayhi salatu wasalam a craché un jour dans la paume de sa main. Vous me suivez? Puis il y mit son doigt en disant, Allah dit, ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé d'une goutte semblable à celle-ci? Subhanallah. Ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci? Jusqu'à ce que je t'ai modelé et constitué harmonieusement, tu as marché habillé de vêtements et on t'a facilité de marcher sur terre. Puis tu as réuni des biens et tu as privé certains de tes biens. Et c'est seulement au moment où ton âme arrivera à ta gorge que tu diras, je vais faire des aumônes. Or, il est trop tard pour faire des aumônes rapportées par l'imam Ahmed. Ici, ce que je veux que tu retiennes, c'est regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci? Méditez un peu sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rabaissez-vous, humiliez-vous, soumettez-vous à lui. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allah azzajal a dit, c'est donc un hadith Qudsi. Allah azzajal a dit, le fils d'Adam me traite de menteur sans aucun droit. Et il me fait injure sans aucun droit. Quant au fait qu'il me fasse mentir, c'est lorsqu'il dit, il ne me fera pas vivre après la mort comme il m'a fait vivre la première fois. Or, dit Allah, sa résurrection ne me sera pas difficile tout comme ne l'a pas été sa première création. Quant à son injure à mon égard, c'est sa parole, Allah a pris un enfant. Allah a pris un enfant alors que je suis l'unique. Le seul à être imploré, je n'engendre pas, je n'ai pas été engendré et je n'ai pas d'égal rapporté par l'imam al-Bukhari. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate al-Ikhlas que vous connaissez tous par cœur normalement, dans la sourate 112, versets 1 à 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été créé, il n'a pas de parents, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il est l'unique Azza wa Jal. Il est al-awwal, falaysa qablahu shay. Il est le premier, il n'y a rien eu avant lui.
N'est-ce pas? Ça, c'est dans notre croyance. Et il est al-akhir. Falaysa ba'dahu shay, il est le dernier, il n'y aura rien après lui. Notre prophète, Isa alayhi salam, oui, il est notre prophète. Comme Muhammad alayhi salatu wa salam est notre prophète. Et comme tous les prophètes sont nos prophètes. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله سبحانه وتعالى dit, le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en quoi? Alors regarde bien, les croyants ont tous cru en quoi? En Allah, en ses anges, à ses livres, SES pluriel, et en ses messagers. On croit en tous les messagers. Nous, on croit en Jésus, Isa alayhi salam. On croit en Moussa alayhi salam. On croit au prophète Daoud alayhi salam. On croit au prophète Sulaiman alayhi salam. On croit en tous les prophètes et en ses messagers en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Par Allah, nous ne faisons aucune différence entre notre croyance en Muhammad alayhi salatu wa salam, celle de Isa, de Moussa, d'Ibrahim, de Nuh ou tout autre prophète envoyé par Allah. Cependant, nous croyons également qu'ils occupent des degrés différents auprès d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, on y croit tous, à ces prophètes, mais on sait que certains occupent des degrés que d'autres n'occupent pas. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 253. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. On voit bien ici qu'on croit en tous les prophètes, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, c'est le cas de qui? Moussa alayhi salam. Et il en a élevé d'autres en grade. À Isa, fils de Maryam, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Donc notre prophète Isa alayhi salam vécut ce qu'Allah azzawajal lui a destiné. Puis Allah tabaraka ta'ala l'épargna des juifs qui voulaient le tuer après avoir accusé sa mère de fornication. Allah subhanahu wa ta'ala le sauva et l'éleva auprès de lui. C'est alors qu'Allah azzawajal fit de Isa alayhi salam l'un des 10 grands signes de la fin des temps. Hudhayfa ibn Usayyid al-Ghifari radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, alors que nous étions en train de discuter d'une question, il a dit: qu'évoquez-vous? Nous avons répondu: nous évoquons l'heure. Il parlait de l'heure, la fin des temps. Il alayhi salatu wasalam a dit: elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. Et si Allah subhanahu wa ta'ala me donne la vie, on fera une série sur les signes de la fin des temps, les petits signes et les grands signes. Écoute bien. Elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. Puis, il a mentionné comme signe 1. La fumée, Ad-Dukhan. L'antéchrist, Ad-Dajjal. La bête sortie de la terre, Ad-Dab. Le lever du soleil de son couchant. La descente du ciel de Isa ibn Maryam. Ça fait partie des grands signes de la fin des temps. La sortie de Gog et Magog, Yajouj ou Majouj. 3 engloutissements, 1 en Orient, un autre en Occident et un troisième dans la péninsule arabique. Quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers le lieu du rassemblement rapporté par l'imam muslim. Les juifs pensaient l'avoir tué, mais Allah tabaraka ta'ala nous informe que non. Allah azzawajal dit dans Surat al-Nisa, Surat 4, versets 157 et 158, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله تبارك وتعالى دي Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, yani Isa ibn Maryam, le messager d'Allah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant, une autre personne. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Mais Allah l'a quoi ? L'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Et vous allez être étonné de savoir que notre prophète, alayhi salatu wasalam, a décrit la descente de Isa du ciel. Il, alayhi salatu wasalam, a même décrit les vêtements qu'il portera. Dans Sunan Abi Dawud, il a été rapporté selon une chaîne de transmission authentique, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit: il n'y aura pas de prophète entre Jésus et moi. Et il descendra certainement. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit: la nabi ba'di, il n'y aura plus de prophète après moi. Et ça, c'est dans notre croyance. Il n'y a pas de prophète entre Jésus et moi et il descendra certainement. Lorsque vous le verrez, vous le reconnaîtrez. C'est un homme de taille moyenne, au teint très blanc et rougissant. Il descendra vêtu de deux habits teintés de jaune clair. Il y en a quelque chose qui ressemble au beige. Comme si sa tête faisait goûter il y en a de l'eau sans être mouillé. Et concernant l'endroit, l'imam al-Tabarani rahimahullah a rapporté dans son Mu'jam, al-Mu'jam al-Kabir, Kaous ibn Aous radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Jésus, Isa, fils de Marie, fils de Mariam, descendra auprès du minaret blanc à l'est de Damas. C'est précis, subhanallah. Tout est précis. Et il tuera l'antéchrist, al-Masih al-Dajjal. Dans les sunan d'Ibn Majah, dans le Sahih d'Ibn Khuzaym et dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, il est rapporté qu'Abu Umama radiallahu anhu a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, lorsque Isa alayhi salam ira à Jérusalem, il dira: ouvrez la porte. Ils l'ouvriront et l'antéchrist sera derrière lui. L'antéchrist, le messager d'Allah, sera derrière lui. 70 000 juifs seront en sa compagnie. Ils auront tous des épées aux poignets ornementées et porteront des vêtements verts. Lorsque l'antéchrist le regardera, quand il va regarder Isa alayhi salam, il fondra comme le sel dans l'eau. Allahu Akbar. Il fondra comme le sel dans l'eau. Alors il partira en fuyant. Isa, Jésus, le rattrapera à la porte orientale de l'Oud et le tuera. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, le fils de Maryam descendra très prochainement parmi vous en tant que juge juste. Il détruira la croix. Il détruira la croix. Il abattra le porc. Il n'acceptera plus al-jizya, l'impôt de capitation. L'argent sera si abondant que personne ne l'acceptera, de telle sorte qu'une seule prosternation sera préférable au bas monde. Et son contenu rapporté par Bukhari et Muslim. À l'époque de Isa alayhi salam, il y aura beaucoup d'argent. Il y en aura énormément. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, il est rapporté dans le long hadith de Nawas ibn Sama'an radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: puis Jésus, fils de Marie, Isa, fils de Maryam, se rendra vers des gens qu'Allah aura préservés de l'épreuve de l'antéchrist. Et il passera sa main sur leur visage et les informera de leur degré au paradis. Tandis qu'il sera ainsi, Allah révélera à Jésus, à Isa: j'ai relâché des serviteurs à moi que nul ne sera en mesure de combattre. Gagne donc le mont Tour avec mes serviteurs afin de les mettre en sécurité. Alors, Allah lâchera Gog et Magog. Il lâchera Ya'juj et Ma'juj, qui se précipiteront de chaque monticule. Les premiers d'entre eux passeront auprès d'un lac tibéral et boiront son contenu. Imagine-toi, ils vont boire tout le lac. Puis, leurs derniers passeront et diront: jadis, il y avait de l'eau ici. Jésus, le prophète d'Allah, Isa, le prophète d'Allah, et ses compagnons seront tellement dans la gêne que la tête d'un bœuf pour l'un d'entre eux sera meilleure que 100 dinars pour l'un d'entre vous aujourd'hui. Isa, Jésus, le prophète d'Allah, et ses compagnons imploreront et invoqueront Allah afin qu'il dissipe l'adversité. C'est alors qu'Allah Azzajal enverra à Ya'juj et Ma'juj des varons, des insectes. Des insectes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des insectes sur leur nuque, ils mourront tous
comme s'il s'agissait d'une seule personne. Et le hadith, on a dit, il est rapporté par les mêmes musulmans. Et c'est ainsi que mourra Al-Masih al-Dajjal, et c'est ainsi que mourront Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, et que les grands signes de la fin des temps se succéderont. Mes frères et sœurs, pour terminer, j'adresse ce message aux musulmans et aux non-musulmans. Notre religion est une religion de paix. Mohammed alayhi salatu wasalam, notre prophète, est le messager de la paix. Notre demeure finale est la demeure de la paix. Nos salutations sont la paix, assalam. L'islam est la religion de la paix. Et Mohammed alayhi salatu wasalam est le messager de la paix. Cette religion est celle qui a honoré Maryam, Marie, ainsi que son fils Isa, Jésus. Mes frères et sœurs, cette religion est un trésor et chacun de nous se doit de transmettre ce trésor que nous possédons. Il est de notre rôle de montrer aux gens la place privilégiée qu'occupe Maryam ainsi que son fils Isa alayhi salam dans notre religion. Montrer aux gens que Maryam et son fils Isa n'ont pas été honorés dans une religion autant qu'ils l'ont été dans notre religion, l'islam. Ô vous qui êtes devant moi, ô vous qui m'écoutez à travers cet audio, transmettez ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est une responsabilité lourde que vous devez porter, car un grand nombre de gens ne savent pas qui est Maryam et qui est Isa, alayhi salam, qui ont été énormément honorés dans notre religion. Donc je vous demande encore une fois, Allah ybarik fikum, de transmettre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Cet audio, bi'idhnillah azza wa jal, il faut qu'il fasse le tour de vos contacts, musulmans et non musulmans, pour un, remontrer aux gens la beauté de notre religion et surtout, la place qu'occupe Maryam et Isa alayhi salam dans notre magnifique et sublime religion. Asa Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.